Salut à toutes et à tous, c'est Papy. Aujourd'hui, on se retrouve pour la suite du let's play de Pokémon Moon Black 2. Alors, je suis allé heal tout le monde. La dernière fois, j'avais vaincu la reine. On va pas aller continuer sur mon blabla. J'ai pas fait de level up et je me fais interrompre. Papy, attends. Donc, l'adieu le champion d'arène. Venez avec moi tous les deux. Je vous demande ce qu'ils me veulent. Ah oui, il va nous expliquer les. D'accord. Les combats doubles dans les Pokémon sauvages. Alors c'est parti. Je suis désolé pour le manque de bloat de vidéo hier. J'étais pas très très bien. J'avais aussi un peu la flemme pour être totalement honnête. Super canon cool. Du coup ce qu'on va faire c'est qu'aujourd'hui je vais faire un épisode un tout petit peu plus long. Sachant que on a un peu avancé. On fait des épisodes un peu plus longs ces derniers temps. Donc on va en profiter. On va pas s'embêter pour être sûr de pouvoir avancer tranquillement. Je ne veux pas me forcer à faire des vidéos. Je l'ai fait quand j'en ai envie, mais j'essaie de rester quand même assez régulier. Donc, on va faire un peu plus long aujourd'hui, juste pour pas rattraper un peu notre retard. Je voulais juste voir si on avait changé de zone ou pas. J'ai pas l'impression qu'on ait changé de zone. Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait de Pokémon de zone, quand même. On va aller regarder ça. Là, je suis toujours sur la route 20, et bah, jusqu'à la prochaine ville, en fait, il n'y aura pas de nouvelle zone. Ah ouais, d'accord. Bon, bah, tant pis pour la prochaine zone. Je tiens pas spécialement à y aller, on va aller faire le combat sauvage. Parti, le combat de dresseur. Hey, salut toi, regarde mon fantastique Pokémon. Alors, donc à l'envoi, ok, alors, niveau 13. Ah oui, j'avais noté que les niveaux après l'arène étaient montés quand même pas mal. Alors, c'est normal, hein, vous me direz, mais niveau 13 pour des Pokémon solo, ok, bon dégâts. Et j'ai l'impression que voilà quoi. Ça va pas être facile, hein, donc va sûrement falloir refaire un grind, genre si là le level 15, là le rival devrait être à peu près au même stade, hein, on va pas se mentir. Donc on va voir comment on va s'en sortir, donc là j'ai rien ici. Mais avant on avait eu des petites frères, donc je savais que je jouais bien plus safe. Mais ouais, j'aimerais vraiment pouvoir compléter l'équipe parce que là clairement... Ah. Du coup, voilà, le petit proche, vous voyez, la 14 dans Dresseur Lutte, ça ne fait que monter. Boum. Cette fois-ci, c'est pas pareil, parce que maintenant, on a un stab, hein. Une attaque super efficace, elle devrait être bonne faire. Voilà, Tom est dans la place, enfin, c'est cool. On va pas aller trop faire mon coup avec lui, niveau 16, c'est toujours... Ah, on a gagné, ok, donc, ouais, voilà, les niveaux sont montés, hein, vous avez vu, la difficulté un petit peu, donc... On va falloir se méfier, hein, si on n'a pas peur de Pokémon. La chaîne commence à prendre un bon pli, donc j'aimerais bien qu'on garde ce moyen dur, quoi. Donc une mire allégée. On va éviter les airs pour le moment, j'ai pas de... Ah, j'aime pas les combats de dans les box. C'est tellement bon de se faire ralentir un Pokémon facilement. C'est tellement net, mais on va faire. Et on sera direct à la prochaine ville. Cool. On avance vite. Là, on aurait pu finir ça, en fait, au dernier épisode, avec une petite série de combats à faire. Bah, alors, voyons voir c'est qui le combat double. Bonne suite, Escator Bug. Oh, ok. Donc, ça va. J'ai. À part mon ami qui va peut-être pas faire grand chose. On va voir. Ah, ça devrait être en style bombe. On va swap mon ami, on va mettre Maxou. Vraiment, comme je dis, je vais prendre aucun risque. J'aimerais qu'on n'en perde aucun pour les prochains épisodes, enfin au moins des épisodes sans mort, ce serait vraiment cool, s'il vous plaît. On sait pas comment ça va se passer, hein. Sachant que je me souviens... J'ai déjà joué la version originale, mais je me souviens pas non plus de tout dans les moindres détails, on vous tenait un rapid spin. Est-ce que c'est le FLTS ? Non, ok. Voilà, donc c'était peut-être, voilà, c'est des Pokémon relativement faibles, j'ai peut-être un peu abusé de la chose, mais on reste safe. J'ai eu assez d'épisodes où à chaque fois il se passe un truc qui me fait un peu peur. J'aimerais pouvoir jouer safe et être tranquille, ne pas avoir à m'en faire. Prendre leur niveau, voilà, Mewtwo level 16, cool. Flail, non. Voilà. J'ai pas envie d'être le HP en Muzzlobe, donc Fléau ne m'intéresse pas. Mais niveau 16, excellent. Même qui n'a pas d'attaque, ça m'embête un peu. Vraiment, ça me... Et il y a même des trucs qui évoluent pas. Ça m'embête un peu. On va mettre Maxou devant. Quand on n'est pas sûr, on met Maxou. Hein, je vous le dis. Lui, ça va être la star de l'équipe. Hein. Je vais avoir énormément besoin de lui. Alors. Ok. Oh oui, c'est vrai. Il y a des Odino ici pour farm XP. Ok.
Cherish Ball, cool, bah de moins de capture, c'est vraiment cool. Comment est-ce qu'elles font? Parce que j'ai pas trop compris. Qu'est-ce qu'elles font? Ah oui, mais c'est pas un truc, c'est chiant ça. Oh, c'est des mémoires balls. Bah, elles sont juste stylées en fait. Bah, écoutez, moi je prends les mémoires balls. Et puis, on est à la nouvelle ville. On va pouvoir faire une halle. J'ai déjà acheté des potions dans un épisode un peu, donc voilà. Ok, bah, je pense que ce serait une place, un bon endroit pour faire un peu de level up. Ouais, il y aura une nouvelle zone ici, donc je suis hype. Donc ça a l'air d'être Roxy encore le champion d'arène, parce que le point de champion d'arène, ça, il a été changé. Normalement c'est Chiren, c'est pas Nate. Donc bon, donc, on le voit même dans un dialogue. Faut savoir qu'en plus ce champion d'arène me donne beaucoup de difficultés dans la version de base, parce que c'est des types poison. Et pas mal de, vous savez, de trucs à base de toxiques, Venoshock, tout ce genre de choses. Et c'est vraiment très très chiant de jouer autour, donc vraiment j'espère que les types de l'arène ont un peu changé, parce que type poisson j'ai pas d'attaque super efficace, mais alors pas du tout. Donc on va voir ce que ça va donner hein. Du coup si on va pour capturer le Pokémon de zone, ce serait peut-être pas le mieux de mettre Mathieu devant. Comme si je t'appelle faire Mathieu, mais pourtant on va aller l'année. Et on espère un truc. Cool, là vraiment un type sol serait ou un type psy, parce que j'ai quand même une énorme faiblesse roche dans ma team hein, faut, voilà. Tom n'est pas tanky du tout hein, c'est pas vraiment le but, et j'aimerais ne pas avoir la risque. On va aller directement se faire la zone, je sais qu'il y a une zone ici, donc le complexe vient. Allez, donnez-moi un truc cool s'il vous plaît. Allez, un truc sympa s'il vous plaît. Là c'est un doublon, donc on peut skip. Ah oui, j'ai jamais précisé parce que jusqu'à maintenant on l'avait pas eu besoin. Moi je joue avec la règle des doublons. Pour un peu plus de versatilité, c'est une version A que j'ai pas envie de tout le temps avoir les mêmes attaques. Oh, une attaque combat, le sweep. Donc je me permettrai la règle des doublons. Donc si j'ai déjà eu ce Pokémon là dans sa forme de base, c'est-à-dire que si c'était la forme évoluée, j'aurais dû l'attraper. Puis c'est un Pokéball avec déjà le signe Pokéball à côté qui montre que je l'ai déjà capturé, je ne le récapturerai pas, m'octroierait le droit de renouveler la zone. Ouais. Là, c'est un nouveau Pokémon. En vrai, c'est les méga évolutions, je suis grave hype pour Marip. En vrai, un type électrique, ça manquait un peu à la team. En vrai, ça peut être bien. Je pense pas que frustration le tue. J'ai un énorme butage. Voilà, ça fait zéro. Ça peut être bien, quoique un peu loin, un type électrique, c'est toujours. Je prends. C'est pas un Pokémon dégueulasse, loin de là, donc. Je prends le Watt Watt femelle avec de la laine, beaucoup de laine. Je sais pas comment je vais l'appeler si j'ai réussi à l'attraper. Ouais. Ah bah crit par, bah ça commence bien ça. Oui, vous connaissez ma lettre maintenant, on m'a déclenché par as immédiatement. On commence déjà à être un peu chiant, annoying, entre guillemets. On va absorbe. Okay. Je pense que ça devrait aller pour l'attraper, je vais lui donner une série de on me donne vraiment de quoi attraper, ça c'est cool par contre. Ah, ils ont pas les animations spéciales comme en 4G, c'est dommage. Bon, après ils ont la place. Je pense que c'est pas tant que de la place. Nice. Alors, on a attrapé le petit Watt Watt, la petite Watt Watt, donc je ne sais pas du tout comment je vais l'appeler. Bah je sais comment je vais l'appeler. Je pense pas qu'elle regarde la série du tout. Mais j'y tiens énormément. Je vais l'appeler Nadou pour les petites bouclettes. Voilà. J'espère qu'elle est une excellente nature. Ah, c'est vraiment la pire nature. Aïe. Ah, moins speed. Bon, le Pokémon est très lent de bas, ça ne change rien. Bon, ça donne un peu plus d'attaque physique, donc on tape un peu plus sur du varié. Mais c'est vraiment un Pokémon qui tape sur le spécial normalement. Bon, ça va dans le zoo que je prends. Je prends. Je vais pas me prendre la tête pour ça. Bon, on va continuer l'exploration. Il y a sûrement des dresseurs à faire ici. Attends, on va sûrement. On va Ilnani. Avant que je fasse une bêtise irréparable. Voilà, j'ai un antipara. Et on va lui mettre des potions. Puisque j'en ai. À ne plus quoi savoir en faire. On va la heal aussi au cas où. Si jamais j'ai envie de l'envoyer en combat. Enfin, je doute qu'on la voit de si tôt, mais. Là, ah, mais attendez. Là on est en pleine ville, donc j'ai une super canne qu'on m'a donnée,
Et bah, que vous dites, quand dites-vous, on va faire un peu de pêche. On va faire un peu de pêche et on pourra avoir nos Pokémon de zone. Un Magikarp serait bien. En vrai de vrai. Un Magikarp serait vraiment cool. Parce que le Gator est super beau, le Nuzlocke. Ce serait que le level 20, donc ce sera un peu chiant à monter, mais faisable avec un Magic. Ok. Allez, donnez-moi un truc cool, s'il vous plaît. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup le pouvoir. C'est un bon Pokémon. Par contre, comment on l'a fait, lui? Je doute que si je fais nature peur, ça serait mon attaque, ça va être stable. J'espère que je fasse passer en charge, parce que Mimi, elle arrive pas trop mal mené. Je sens pas de faire des dégâts. Merci de ne pas taper sur le physique, Mimi. C'est un plaisir. Bon, écoutez, moi j'aime bien. Pour donner son amami, je vais pas m'embêter à attraper, à le monter. Il sera sûrement au PC pour la majeure partie du temps. Je vais plutôt peut-être les entraîner en off. Au cas où ça tourne mal, mais. Voilà. Hyporoi, ça pourrait être cool. Type dragon haut, ça n'a qu'une seule faiblesse. Enfin, deux s'il l'inclut dans cette version, c'est le type fée et le type dragon. Donc, niveau des coverages et des types, c'est plutôt cool. Les résistances, c'est pas mal. Pokémon est plutôt bulky. Enfin, fait un peu de tout. Un excellent Pokémon, je me demande comment on va pouvoir le faire évoluer, s'il y a une manière de le faire évoluer dans cette manière, dans cette version, parce que j'ai pas regardé. Au moment, il faut l'échanger avec un Crodragon. J'espère qu'ils l'ont modifié, qu'ils l'ont mis par niveau, parce que j'adore ce Pokémon. Je le trouve vraiment, franchement, ultra stylé. Et un Hippocampe, enfin, Hipporoi. Bon, je sais pas si ça a poussé un Hipporoi. Qu'est-ce qui pourrait être cool pour lui? Oh, ouais, j'ai une idée. Hop, 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 hop. Oh, j'avais dit que j'allais lui dédicacer un poké. Eh bien, le voilà, mon petit Gazaï, voici ton poké. On va trouver tout ce que je cherche. Je ne trouve pas de lien, mais ça. Je vais m'en remettre juste Gaza. Et voilà. Gaza, pas pour la ville, mais pour un pote de mon Discord. J'espère qu'il verra la vidéo, qu'il fera la petite dédicace. Brave encore, alors pour le coup c'est un peu emmerdant parce que c'est un Pokémon qui est plutôt rapide. Bon après il apprend Danse Draco, donc on pourrait peut-être jouer un set physique. Ça se joue un peu de tout, ça a des stats très équilibrés. Donc. Pour le moment les natures me chient un peu dessus, mais bon, c'est pas très grave. Hein. Bon voilà, un petit nouveau, tu peux aussi si jamais il arrive une année à un ami. Oh il échange les Pokéballs contre une Great Ball. Ah oui, c'est le monsieur des échanges, il fait ça tous les jours. Eh bien écoutez. J'aimerais qu'on garde le complexe pour le prochain épisode. Qu'est-ce que vous en dites? Qu'on fasse un peu d'exploration aujourd'hui. On va faire un peu d'exploration. Et mince. Et viens là. Non, on va voir si on peut trouver des objets. Non. Donc il m'explique comment XP des teams à son truc. Okay. Oui, le repousse. Un burn heal, bon ouais c'est cool, ça peut servir, ne rigole pas. Ça peut servir, comme le paralyze heal que j'avais trouvé m'avait servi. Explorer un peu la zone, hein. Il y a sûrement des trucs. L'arène. Et non c'est bien, toujours le type poison ici. Ouais, c'est pas cool. Tu peux venir? Oui bon bah les écrous on va peut-être pas le voir maintenant. Attendez, un Pokémon spécial, je prends tous les jours un Pokémon spécial. Et oui, alors même si j'ai attrapé un Pokémon ici, celui-là il est donné. C'est pas compté pas comme un Pokémon de zone, c'est comme les Shiny, c'est des Pokémon spécifiques. Donc on va préparer la Dead Box. Ça, ce sera la Dead Box. Et en fonction de la saison, j'aurai un Pokémon. Donc attendez. Attendez, mais c'est que ça change tout ça. Je sais pas si je vais le jouer ma vie maintenant. Je pense que je vais garder ceux-là pour que si jamais ça se passe mal et que j'ai besoin d'une backup team, j'aurai ces deux-là dans la box. Donc en vrai, ça peut être. J'aime pas monter 5 pour 6 Pokémon à plus, ça split énormément l'XP donc ça laisse pas. Il doit énormément la partager entre 5 Pokémon, 6 Pokémon, c'est pas pratique. K4, tout le monde a son petit peu plus d'expérience.
Nice! Du coup, bah, pourtant spécial, moi je dis oui, ok. Et un spécial starter. Et en vrai, ça peut être vraiment fort si c'est un bon. Et j'ai eu. Diplouf! Waouh! En vrai, il est excellent, Nuzlocke. Oasis, c'est super fort. Alors, du coup, ouais, Nani, je le jouerais que pour les capacités plantes. Après, ils n'ont pas les mêmes faiblesses du tout. Ils pourraient jouer ensemble, les deux. Hein. Ça pourrait être fort. En vrai de vrai, j'ai très envie de le mettre dans la team. Parce que pour le coup, c'est un énorme potentiel. Un énorme potentiel. Au moins égal à celui du Hyporoi qu'on a eu. Alors, qui serait le pingouin? Qui est-ce qui pourrait être le pingouin? Ah. Eh bien, écoutez. Je vais lui en dédicacer un, hein, parce que je ne suis pas sauvé un petit canard. On va appeler Rezou, il se reconnaîtra si jamais on regarde. Il aura son starter. Nice! Attends, bien plus une Beridus. Calme, donc moins d'attaque, plus de spedef. C'est chiant sans être chiant, parce que bon, Tipeee, on va vouloir le jouer spécial. Hein. Vous savez, base de surf, laser glace, le canon, ce genre de choses. Ça m'embête pas qu'il soit physique. Qu'il soit pas physique, même si bon. En early, ça va peut-être un peu m'embêter. Donc, niveau 10, je vais l'entraîner. Lui, pour le coup, il va subir un entraînement colossal. Et attendez, on avait une CT tout à l'heure. On avait une bonne CT, on avait une. Oui! Balayage. Comment ça s'appelle le sweep? Ce serait un. Comme un Kuba, mais qui baisse la vitesse. J'ai oublié le nom en anglais. Balayette, c'est Balayette. Ça deux attaques, balayage, balayette. Donc Force Palm, ça a la même puissance et ça peut paralyser. Et ça, c'est 100% de baisser la vitesse. Les deux fonctionnent, mais il y en a un qui a le double DPP de l'autre pour la même puissance. Et voilà, Ce sera mieux le sweep. Ce sera mieux le sweep. Je sais que Force Palm, ça peut paralyser, mais. De toute façon, l'intérêt de. Je veux pas que tu parles, je veux que tu. Je veux que tu mettes KO. Donc j'ai besoin de tous les DPP que je parle. Ok, donc il me dit qu'il y a des magnétiques qui ont très bien géré contre son arrêt et tout. Ah oui, et clairement, a-t-il passé sur extraordinaire. Qui es-tu, toi? Ouais, non, je le sens pas, lui. Je sais pas pourquoi je le sens pas. On va éviter d'aller lui parler. On va éviter d'aller lui parler. Ok. D'accord. Ok. Je sais pas pourquoi je ne le sens pas du tout, celui-là. Ok. Ok, je sais pas ce qu'il veut lui. On va lui parler. Non. Non, les deux. Est-ce qu'on est censé l'affronter? Je sais pas, je suis. J'arrive pas à visualiser. Ah, écoutez, on va faire le combat. Si jamais il s'avère qu'il a des niveaux 25, des trucs complètement pétés. On n'est pas censé l'affronter, je compterai pas comme une défaite. Si jamais il s'avère qu'il est dans mes niveaux qu'on perd des pokés, bah on perd des pokés. Dans le doute, vous savez quoi, je vais aller poser dans la box Tiplouf. Si jamais on se fait game over, au moins j'ai de quoi repartir sur de bonnes bases. J'ai pas très envie, donc on va poser. Je veux juste être sûr, hein. Je veux la jouer safe. Je veux la jouer safe. Et même Tom, hein. J'ai envie de voir Tom mourir non plus, donc on va le mettre là. Moi je regarde pas de pas avoir regardé Tom dans la team. On va heal tout ça. On va aller voir ce qu'il y a. On espère qu'il soit pas complètement vers le level. Et après ce combat, on fera une pause. Je finirai l'exploration solo. Au prochain épisode, on ira faire le complexe. On ira chercher le champion d'arène. Donc là, pour ce combat-là, on va aller faire ça. Bouger mon chemin. Allez, c'est parti. J'espère vraiment qu'on était. Oulala, 4 Pokémon. Attends, niveau 17, donc voilà, c'est bien ce que je pensais. Et le niveau a l'air abusé, mon haut, on va pas se mentir. Alors, on va se top Mathieu, je pense. Je pense que le temps, on va se top Mathieu. Et j'irai popoter et après on ira. J'espère qu'il va pas me mettre trop cher, il est à moi quand même. Ouh. Ah oui, ça c'est l'auto midlife.
Je vais mettre en note et je vais me soucier un peu. Ça me met forcément 50% de l'HP, donc je pense pas qu'il cogne si fort que ça. Voilà, là il va me remettre midlife. Voilà. Quoi? Attends, mais c'est pas censé me one-shot. Attends, attends. Non, je suis con, hyper fin, que c'est croc de mort, c'est pas croc fatal. Ah bah, je l'ai en fait, les gars. Ah bah super, mais il fait beaucoup trop mal, il est à moins 1, il m'a touché. Ouais, je suis pas sûr là pour le coup. Ah ouais, non mais... Ah ouais. Ah bah, je suis bien content. Mais il fait beaucoup trop mal, mais c'est... Oh là 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 là. Ouais, normal ça. Quel délire ça. Alors, on regrette d'avoir enlevé le rugissement à toute sa team, miam. Ok, j'ai oublié de l'attaque. En vrai, il y a moyen de... S'il te plaît, crit pas. Mais pourquoi il tape si fort? Mais on dit, c'est pas normal. Mais... Waouh, je suis pas sûr qu'on est censé l'affronter, lui. Possible. C'est quoi ces levels, là? Ah oui, c'est au cas où j'avais essayé de switch, hein, pour suite. Mais je passe pas un ratata. Non mais attendez. Attendez. Comment ça je passe pas un ratata? C'est quelle sorcellerie ça? Mais n'importe quoi. Quoi? Mais c'est quoi ces dégâts? Mais je lui mets 0. Mais c'est un ratata dopé ça, c'est pas possible. Ah mais l'agitation, c'est peut-être pour ça que je cogne aussi fort. Mais je sors d'un 5 ans level 15, il a déjà des level 17. Hein. Ouais. Ah bah je me sens bien cool là. Hein. 19? Quoi? Là. Ok, on va s'arrêter là. Vous me dites en commentaire ce que vous en pensez. Je pense pas qu'on était censé l'affronter maintenant. Si vous estimez que bah c'est ma faute, fallait pas lui parler, perdu c'est perdu, dites-le moi en commentaire et bah écoutez, on comptera pour moi. Si vous considérez que c'était un peu de l'abus, et que bah on était probablement pas censé l'affronter parce que si c'était 19, il devait avoir des level 20 encore. Vous me dites ce que vous en pensez. Qu'est-ce qu'il meurt? Bah, on va se faire de mal avec Ah oui, non, mais c'est. Combien de fois je vois ça? D'accord, donc le truc est venu avec des levels de 2 à 3 minutes, je suppose. Et c'est juste fait toute ma team en fait. Écoutez, c'est plaisir. Ah bah je suis content là. On est content là, hein. Je suis content là. Dites-moi ce que vous en pensez. En fonction de votre réponse, il y aura peut-être pas d'épisode demain. Parce que s'il y a un épisode demain, vous doutez bien qu'il faut que je monte toute cette nouvelle team à zéro. Et honnêtement, je vais mettre tout le monde pas loin du niveau 20. J'ai bien compris que le jeu rigolait pas. Et on prendra notre revanche, évidemment, parce que ça ne restera pas impuni, hein, soyez-en bien sûr. Et auquel cas, si vous trouvez que c'était de l'abus, on reprendra les pokés d'avant, on remettra ça dans la box. Et on l'esquivera pour le prochain épisode, mais c'est dans tous les cas un avertissement pour le champion d'arène qui a l'air complètement broken. Si là, c'est déjà niveau 20, j'ai beaucoup d'entraînement à faire. Allez, c'était Papy. Sur cette cuisante défaite, dites-moi ce que vous en avez pensé, qu'est-ce qu'on fait pour le prochain épisode, ciao ciao.